Les problèmes, c'est maintenant. Il est en train de se charger. Ok. C'est énorme. Watch. Ok. Ok, très bien, très bien, très bien. C'est vrai que c'est assez impressionnant, je te l'accorde. Oh quoi? Ok. Alors attendez. Hop les bibiches. Ok. Quand il y a un seul ennemi, c'est presque plus facile à gérer. Bien dit presque. On n'est pas à l'abri qu'il fasse une invoque. Ok. Endurance épuisée. Ok. On est reparti. Comment 40 les potes. Ok. Oh bien wesh. Ça c'est impressionnant. Ça c'est toujours impressionnant. Ok, ça c'est toujours impressionnant aussi. Waouh, les gars. Waouh, les gars. Ok. Ok, on va essayer ça, les gars. Ça passe, ça passe, ça passe. Ok. Ça passe, ça passe. Ah. Ça passe, ça passe. Ok. Allez, presque. Ok. 2 3. Ah. Voilà mon gars. C'est qui le boss final? C'est moi. Il reste plus qu'un nœud à pirater. Tiens, fais attention. Oh là là.
Du premier coup, mon pote. Du premier coup. Je savais que cet arc que je n'ai jamais utilisé me serait utile un jour. Et ça, bordel de merde, c'est beau. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est bon, dernier truc à pirater. Allez, merci la zone 1. Attends, on va récupérer tout ça au cas où là-haut. Oh, on s'est régalé, les gars. Incroyable, incroyable. Let's go pour la suite de notre incroyable histoire. On devait pirater ce réseau, évidemment, de liaison. Oh non, c'est pas fini. C'est bon, Héphaïstos est dans le noyau. Assure-toi qu'il y reste. Je te rejoins. Okay. Et on pourra lancer la fusion. Okay. C'est grâce à toi, Beta. Je suis contente que tu sois venu. Et à toi, Varl. On n'aurait jamais réussi sans ton aide. Attends, attends, rien n'est fait, hein. Rien n'est fait, les amis, rien n'est fait, hein. Oh lolo, quand ça distribue des... Oh la merde. Oh lolo, heureusement qu'il m'en reste 9. Un peu cata, ça. Hein. C'est un petit peu... Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Non, ça va. Allez, on est parti. Fouh! Let's go la fusion! C'est pas là? Ah non, c'est là-bas. Je m'étais trompé! Let's go. Allez, maintenant faut gérer, hein. J'en ai marre, hein. On fait que des boss. Le noyau est stable. Héphaïstos est confiné à 100%. Alors on ferait bien de lancer la fusion. Tout est en place. Gaïa, établis-nous la liaison. C'est fait. Il faut extraire le code malveillant d'Héphaïstos. Bonjour, bonjour, copie redondante. Tu nous as fait perdre pas mal de temps. Eric, reprends Beta. Et écrase donc cet insecte dont tu es. Cache-toi derrière moi. Allez, arrête de faire l'idiot. On s'amuse bien, hein? Non, 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 non,
Enfin. Tilda, prépare Gaïa et Héphaïstos pour leur transport. Tilda! J'ai échoué. Chut. Tout n'est pas perdu. Tilda! Qu'est-ce que tu fous, mon Dieu? Arrête-la! Ok, peut-être une gentille dans cette histoire. Beta. Parle. Où je suis. Ah, tu es réveillé. Tu as subi un sacré choc quand Gérard t'a attaqué. À te voir, j'imagine que tu souffres encore beaucoup. Rassure-toi, c'est un endroit sûr ici. Les autres ne peuvent pas nous voir. Tu parles des autres Zénith. Tu dois être Tilda. Je n'étais pas sûre que... Beta t'ait déjà parlé de moi. Où est-elle? Elle est en vie. Et même si elle n'est pas là où elle voudrait être, pour l'instant, elle n'est pas en danger. Il faut qu'on s'organise pour la récupérer. Enfin, une fois que tu seras remise sur pied. Quand tu seras prête, viens me rejoindre. Prends par les escaliers. D'ici là, je vais aller préparer le petit déjeuner. Petit déjeuner? D'accord. Niveau 29, ok, un petit établi, je t'avoue que je dirais pas non. Plus 10 de vie, encore et encore, again and again. Très bien, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Récupérer l'endurance d'armes, ça, utile de ouf. Et ça, c'est quoi ça? Renforcer, très bien. Fabriquer des munitions sur l'établi en utilisant moins de ressources dans la nature. Jusqu'à 3 flèches? Incroyable. Incroyable. Alors attends. Mais c'est incroyable. Mais c'est fou. Et en plus, je les récupère en mode 3 flèches. Mais c'est fou pour se préparer au combat. Allez, let's go. Bon, il est où le petit déj? Oh, le Louvre. Quelques pièces de ma collection que j'ai récupérées et stockées ici avant de quitter la Terre. Tu peux regarder si tu veux. Je suis curieuse d'entendre tes impressions. Mon ami est mort. Beta et Gaïa ont disparu et tu veux que je regarde de vieux tableaux? Ne sous-estime pas le réconfort que l'art peut apporter. Ou les réponses qu'il peut offrir. Mon duo préféré. Sur la gauche, la femme en bleu, lisant une lettre de Vermeer. Un grand maître. Sur la droite, une contrefaçon. Femme lisant de la musique, qui a trompé des experts, l'ayant pris pour un original inestimable. Au début de ma carrière, je me suis passionnée pour ce genre de contrefaçon. J'ai fini par développer un logiciel de scanographie capable de détecter des faux avec une précision inégalée. C'est comme ça que t'as gagné de quoi acheter ta place à bord de l'Odyssée? Oh non. J'ai réellement fait fortune plus tard. Ok, c'est intéressant, plus c'est des vrais tableaux. Sélénée et Endymion. Elle est la déesse de la Lune. Et lui, un simple berger. À côté d'elle se trouve le dieu de l'amour, Cupidon. Alors, elle... Elle vient quand il dort? Disons qu'elle va le voir en secret.
La torche que tient ce Cupidon représente l'amour infini de Sélénée pour lui. Bien que le couple ne puisse être réuni, son amour brûlera éternellement. Un portrait du fils de Rembrandt, Titus, représenté habillé en moine. Je comprends pas. Pourquoi quelqu'un comme toi, avec des ressources infinies, s'intéresse à cette peinture d'un gosse à capuche? L'important n'est pas l'image, mais les sentiments qu'elle suscite. Le visage est clair et détaillé, mais ses yeux sont baissés, lourds de malheur. Et l'arrière-plan semble absorber toute la lumière. Cette peinture dégage une impression de perte, de vide. Je crois que je comprends ce que ressent le peintre. La Ronde de nuit, de Rembrandt, est le tableau le plus célèbre créé dans mon pays, et de loin. Il a été commandé pour rendre hommage à une milice composée de citoyens influents. Je suppose que toi aussi, tu étais une citoyenne influente. À l'époque, oui. Mais pas autant que tu l'es, dans ce nouveau monde. La Rafale, de Willem van de Velde, le plus célèbre de ses nombreux tableaux maritimes. Un bateau qui navigue dans l'inconnu? Ça doit te rappeler quelque chose. En effet. C'est pour ça que j'apprécie particulièrement cette œuvre. Bien que les vagues et le vent menacent de détruire le vaisseau, il persévère. Il s'accroche à la lumière alors que les ténèbres se rapprochent. Ok. Attends, c'est quoi le 2? Quête. Principale. Examiner les œuvres d'art. Ok. Une sèche, les cheveux. De tristesse, de folie. C'est pas facile de les voir souffrir. Fascinant, non? Les peintures étaient loin d'être les seules œuvres d'art de l'âge d'or de mon peuple. C'est les guerres de Van Vianen. Moulées à partir d'une unique feuille d'argent. À quoi ça servait? Tu penses comme Elisabeth. L'utilité avant la forme. Sa fonction était moins importante que sa signification. Van Vianen l'a créée en mémoire de son frère défunt, qui était lui-même un orfèvre célèbre. Un hommage? Oui. Du chagrin est née la beauté. Il porte un sacré fardeau. Je connais ce sentiment. J'ai toujours pas examiné toutes les œuvres d'art, what the fuck? Comment c'est possible? J'ai fait... Alors attendez... Ah, ok, d'accord. Ça, peut-être? Non? Bah alors, ça, peut-être? Non? Bah what the fuck? Pourquoi ils me disent que c'est pas bon? Les gars? Pourquoi Sélénée et Endymion ne peuvent pas être ensemble? Sélénée a prêté serment de chasteté. Ah, c'est parce que on elle doit. Oh putain, on doit continuer. Ok. Quand elle est tombée amoureuse d'Endymion, elle ne pouvait aller le voir que la nuit, quand il dormait. Mais c'était d'accord. Contraire à son serment, non? C'était un amour interdit. Même si les circonstances les séparaient, ils ont trouvé moyen d'être ensemble. Brièvement. Pourquoi garder la contrefaçon? J'ai toujours aimé étudier les deux en parallèle. Les deux peintres ont su capter la lumière, la couleur et la perspective. Qu'est-ce qui fait de l'un un chef-d'œuvre et de l'autre une imitation? La contrefaçon a l'air plus nette. Tu as l'œil. Les détails sont précis, les contrastes nets. Le message est plus clair, mais moins émouvant. Ici, Rembrandt a peint Jérémy, un homme en deuil. En deuil de qui? De son foyer. La ville antique de Jérusalem. Il avait prédit sa fin imminente, mais n'a rien pu faire pour l'empêcher.
Alors il a sauvé ses trésors de la destruction, comme j'ai sauvé ses œuvres. On peut dire qu'on a certains points communs. Ce type d'œuvre d'art nous pousse souvent à réfléchir à nous. Ok, c'est bon. À notre vie. Je suis désolée pour ton ami. Si j'avais pu intervenir, je l'aurais fait. Mais le risque de te perdre aussi était trop grand. Tout est devenu flou. J'ai pas pu le rejoindre. Tu sais, avant les hologrammes et les enregistrements des focus, les gens se servaient de l'art pour se souvenir de leurs proches. Grâce à des œuvres comme celle-ci, leur vie est immortalisée. Voilà. Alors tu te sens mieux? Comment vous nous avez trouvés, au creuset? Et qu'est-ce que tu as fait aux autres avant que je m'évanouisse? Oh, tu penses qu'au travail? Eh bien, disons pour faire simple qu'on surveillait de très près Héphaïstos, en sachant que ça finirait par être utile. Votre petit stratagème n'a pas fonctionné. Et quant au mien, c'était une surcharge d'essence. Accompagné d'une décharge d'énergie. Gérard et Eric ont été temporairement désorientés, grâce à leur bouclier, mais toi, tu as perdu connaissance pendant que je t'emmenais. Un petit déjeuner te ferait peut-être du bien? C'était ta maison. Celle que tu as recréée pour Beta, dans le canal que tu as partagé. Quel sens de l'observation? Par ici, je t'en prie. Après tout ce que ton peuple a pu commettre, tu veux que je m'installe tranquillement et qu'on discute ensemble? Ce n'est pas mon peuple. Pas dans le passé et encore moins maintenant. Tu es parti avec eux dans l'espace. Tu as vécu avec eux pendant 1000 ans, avant de revenir. Alors pourquoi avoir changé de camp subitement? Tout simplement, pour ça. Mon ancien focus, tu l'as réparé? Mais alors tu as vu... Des choses incroyables, oui. Ce que tu as pu accomplir en une 20aine d'années... Moi, après avoir vécu 1 millénaire, j'en suis encore loin. Je suis désolée d'avoir été si intrusive. Mais il le fallait. Pour pouvoir tout comprendre. Pour être éclairée. Tu es vraiment... comme Elisabeth. Tu as sa passion, son sens du devoir. Son intégrité. J'ai eu tellement honte en voyant tout ça, honte de mes compagnons. Mais maintenant, tout ce que je veux, c'est pouvoir t'aider. Même si ça implique d'arrêter tes amis? Oui, à plus forte raison. Je t'en prie, assieds-toi. Voilà. C'est mieux, non? Maintenant... Nous devons récupérer Beta et Gaïa à tout prix. Gérard compte utiliser Gaïa afin de réinitialiser la biosphère de la Terre. Et ainsi recréer le monde selon ses instructions, ce qui ne conviendrait qu'aux immortels. Tous les êtres vivants de la planète seront exterminés. Il appelle ça un formatage. Je l'arrêterai avant qu'il y arrive. Nous l'arrêterons. Nous. Et une fois qu'il aura disparu, ainsi que les autres, nous tâcherons de réaliser le rêve d'Elisabeth. Beta a dû te dire que notre vaisseau héberge un exemplaire de la base de données Apollon.
C'est un recueil complet de toutes les connaissances humaines. Avec ça et Gaïa, on pourra faire tout ce que voulait Elisabeth. Guérir la biosphère, éduquer les peuples de ce monde, les élever. Créer le monde qu'elle imaginait. Inutile d'aller trop vite. D'après ce que j'ai vu, tes amis sont invincibles. Si tu pouvais arrêter de les appeler mes amis. Et ils ne sont pas invincibles. En fait, l'un de tes amis a trouvé un moyen de les vaincre. Silence. Il n'a pas perdu de temps. Il a créé une armée assez puissante pour pénétrer dans la précieuse base de Gérard. Regala et ses rebelles. Actuellement, elle prépare son assaut final sur la capitale Ténac. Quand elle aura triomphé, elle aura toute la tribu sous ses ordres. Des centaines de guerriers et de machines pour attaquer la base. Elle a été dupée. Ils vont tous mourir, bien sûr. Mais ça devrait suffire à exposer Gérard et à permettre à Silence de le tuer. Lui et les autres. Grâce à la nouvelle arme qu'il a mise au point. Oui, il a trouvé un moyen de contourner nos boucliers. C'est vraiment un homme exceptionnel. Il a tout prévu. Enfin, à part toi et moi. Tu vois, pendant que son armée enfoncera les portes de Gérard, nous nous glisserons par une porte secrète. Je suis la seule à la connaître. Quand Silence et mes amis seront occupés à se battre, nous récupérerons Beta et Gaïa. Je te l'ai dit, je veux t'aider, sincèrement. Elle est un peu bizarre quand même, hein? Mon ancien focus. Comment tu l'as trouvé? Et comment tu l'as réparé? Au moment où nous t'avons rencontré au laboratoire d'Hadès, Gérard a considéré que tu étais superflu, mais moi non. Tu étais une révélation. Après ton incroyable fuite, bravo au passage, Gérard et Eric t'ont pensé morte et arrêté les recherches. Moi j'avais un doute. Pendant qu'ils avaient le dos tourné, je suis retournée au labo et j'ai cherché des signes de toi. C'est là que j'ai trouvé ce petit trésor. Ça n'a pas été simple à réparer, mais ça en valait la peine. Quand ta vie s'est déroulée sous mes yeux, tu étais comme une touche de couleur sur une toile usée. Comme Liz et même plus. Tu ne l'as pas montré aux autres? Bien sûr que non. Ce sont tes actions qui m'ont encouragée à les défier. Je te rappelle que si je ne l'avais pas trouvé, et si je n'avais pas regardé son contenu, je n'aurais pas su qu'il fallait te sauver au creuset. Tu serais morte. Je devrais te remercier, alors. À toi de voir. Tu m'as dit que Beta n'était pas en danger. Qu'est-ce que les Zéniths lui font, alors? Ils la font travailler pour fusionner Héphaïstos avec Gaïa. C'est une tâche longue et difficile, comme tu le sais sûrement. Ils la forceront, si nécessaire. Mais sa vie n'est pas en danger. Elle est la seule à pouvoir le faire. Parce que ton peuple a fait d'elle un vulgaire outil. C'était l'idée de Gérard, pas la mienne. Il se méfiait toujours de moi, dès que j'essayais d'avoir le moindre geste d'attention à son égard. C'est pour ça que j'ai créé le canal de données. Un lieu virtuel où nous pouvions parler librement. D'après Beta, votre colonie a été détruite. Et vous êtes revenu sur Terre car vous ne saviez plus où aller. Oui, c'est vrai. Après avoir atteint notre destination, une planète du système Sirius, nous avons longuement bâti un nouveau foyer. Les contraintes physiques de la Terre, les limitations de la mortalité, envolées. Quand je pense à tout ce que nous aurions pu faire. Ça aurait pu être une utopie. Au lieu de ça, nous avons stagné, absorbés par le confort et les réalités virtuelles. Il nous a fallu un cataclysme pour enfin nous arracher à notre stupeur. Comment ça? Un événement géologique extrême. Nous connaissions l'instabilité du noyau de la planète, mais nous l'avons sous-estimé. Quand l'effondrement s'est produit, il était trop tard pour l'arrêter. Nous sommes très peu à avoir atteint le vaisseau. Nous sommes partis pour la Terre. C'était le seul abri sûr qu'il nous restait. Et vous avez décidé de la rendre invivable pour tous les autres. Pas moi.
Gérard. Il pensait qu'il valait mieux repartir à zéro plutôt que de s'accommoder des obstacles. Plus de tribus primitives, plus de machines de combat, seulement une toile vierge dont il ferait ce qu'il souhaite. Mais nous l'en empêcherons. Tout ce qu'on a à faire, c'est accéder à cette base. Comment t'es au courant pour le plan de Silence ? Ce n'est pas le seul adepte des logiciels espions. T'as piraté son focus ? Non, il est trop prudent pour ça. Mais ses subalternes, c'est autre chose. Il a fourni des focus aux guerriers qu'il a baptisés les fils de Prométhée. Qui collaborent avec Regala. En accédant à leur focus, j'ai découvert presque tout ce qu'ils faisaient. La diffusion de la technologie de piratage, l'armement des rebelles Ténac et le pacte avec Regala pour attaquer la base de Gérard. Mais d'où vient son arme capable de désactiver vos boucliers ? C'est la seule chose que je n'ai pas réussi à comprendre. Mais quoi qu'il ait fait, je suis certaine que ça marchera. Ok, donc il y a d'autres questions. Avec l'arme et l'armée Ténac, la victoire semble être à sa portée. Quel dommage que nous devions le décevoir. Alors tu as connu Elisabeth. Comment elle était ? Liz était... tout ce qu'elle était, je le vois en toi. Et plus. Ton ingéniosité, ta détermination, ton sens de la morale. Tu as su distiller ses plus grandes qualités et en faire les tiennes. Je ne demandais pas pour moi. Parle-moi d'Elisabeth. Qui était-elle vraiment ? Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûre de le savoir. On avait beau se voir tous les jours, elle ne s'est jamais totalement révélée. Elle a toujours cultivé ce mystère. D'abord Varl. Maintenant Hécaro et les Ténac. Ton plan condamnerait une tribu tout entière. Il doit y avoir un autre moyen. La situation est désespérée, il faut bien le reconnaître. Mais nous n'avons pas d'autre option, je te l'assure. Rappelle-toi d'Aube Zéro. Du sacrifice d'Elisabeth. Parfois, beaucoup doivent mourir pour qu'un nouveau monde émerge. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Attends. Le canal de données. Il existe encore, non ? Il faut que tu me l'ouvres. Que je puisse parler à Beta. Impossible. Il pourrait nous détecter. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a une autre option qui permettrait aux Ténac de survivre. Mais on ne peut pas. Si les autres... Si tu veux m'aider, ouvre-le. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire ? Une dissociation en réalité virtuelle. La fusion manuelle des Phaistos devrait prendre des heures et des heures de gestion fastidieuse et minutieuse. Si elle leur résiste, ils lancent des simulations pour induire en elle un grand sentiment de désespoir. Beta, est-ce que tu m'entends ? Tu en vis ? Il me surveille. Je vais pas pouvoir maintenir cette projection très longtemps. Tu aurais dû me tuer. Non. Non, regarde-moi. Je vais venir te sauver. Je te le promets, d'accord ? J'ai juste besoin que tu tiennes un peu plus longtemps et que tu gères la fusion.
Oui, je pense que c'est possible. Je te ferai signe le moment venu. Est-ce que ça ira? Tant que je sais que tu viens me sauver, je peux tout supporter. Très bien. J'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, je voudrais en savoir plus sur ton plan. Je vais me débarrasser de l'armée de Silence. Il me faut juste l'arme qu'il a conçue pour pénétrer vos boucliers. Et comment tu comptes l'obtenir exactement? En demandant poliment? Sans Regala et ses rebelles, il n'aura pas le choix. On sera son unique option. Son unique option, pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ça ne regarde que moi et ma sœur. On sera la seule option de Silence pour détruire cette base. Je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, je dois m'occuper d'une ou deux choses. Oh! Et quoi, au juste? Offrir le repos à un ami. Et je vais utiliser le piratage que m'a donné Beta aux Gémeaux pour mettre fin à la rébellion de Regala. Depuis les airs. Attends. Puisque tu insistes tellement pour faire les choses à ta façon, je pense à quelque chose qui t'aidera à faire forte impression chez les Ténac. Les anciens titans Horus possèdent encore des batteries électromagnétiques, cela fait partie de leur arsenal. Largue l'une d'elles sur l'armée de Regala et elle le sentira passer, crois-moi. Alors va, accomplis ton devoir. Je rejoindrai ta base si tu parviens à convaincre Silence de discuter. Pas si. Quand? Il faut que je continue d'explorer pour trouver les autres pièces. Ok. Eh ben écoutez, on va pouvoir non seulement s'arrêter là, mais en plus se stuffer pour les... prochaine fois, on est où sur la carte là? Tiens, simple curiosité. Alors attends, parce qu'avant cela, on a peut-être des trucs très très cool à déverrouiller. C'est pas assez de points, on n'a pas assez de points, on en a que 4. Par contre, en trappeur, en vrai, on a des trucs très très cool à déverrouiller. Fabriquer des outils et des pièges, ok, lance-corde. Mais tracker, il n'y a vraiment rien qui me fait rêver. Hein. Tracker, il n'y a vraiment rien qui me fait rêver. Par contre, guerrier, il y a peut-être moyen. Les attaques puissantes infligent plus de dégâts. Ça paraît pas mal. Sauter en prenant appui sur un ennemi, ça paraît pas mal. Inflige plus de dégâts quand une surcharge de cible, ça me paraît pas mal. Allez, on va pouvoir s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la fin de notre incroyable aventure. Évidemment, nous sommes littéralement à l'autre bout du monde. Je vous fais des bisous et je vous dis, portez-vous bien. On va aller sur ce petit feu de camp des familles. Bye bye tout le monde.